se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce que je mettais dans mon sac quand je pars en fait à, on va dire, atelier crop. Enfin, les gens mettent le mot qu'ils veulent en face, aux réunions d'équipe. Voilà, quand on va faire en fait du scrap avec les copines. Et du coup, ça c'est mon sac, voilà, de transport de chez Stampin' Up, que j'adore. Je vais tout tomber en plus. Que j'adore, que je trouve ultra pratique. Même si ce ferme-bas, justement, c'est encore plus pratique. Et voilà ce que je mets en fait dedans, l'utilité et pourquoi j'ai ce matériel et pas un autre. Donc on se retrouve tout de suite. Donc j'ai mis mon sac ici. Donc il y a des poches en fait de devant. Voilà, il y a des poches, il y a une poche zip, des petites poches qui sont devant. Donc dans celle-ci, ah ben, il y a mon masque. Bon, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant. Je le nettoie, je le remets dedans parce qu'en fait je l'utilise vraiment que quand je vais. Voilà, chez les copines, celui-ci, du gel hydroalcoolique. C'est pareil, c'est à la mode depuis un an. Avant, il n'y avait pas dans mon sac. Là, j'ai juste un stylo. Là et là, j'ai rien. Quand on ouvre ici, donc j'ai un chiffon. Voilà, le chiffon, c'est la base, je trouve, pour nettoyer les tampons. J'en ai plus et j'en ai pas racheté. Mais normalement, ici, j'ai toujours un paquet de lingettes bébé. C'est pas du tout comme ça que je nettoie mes tampons. Mais quand on est à l'extérieur, en fonction de là où on est, si c'est une salle, si c'est chez une copine avec une salle qui est vraiment à part, s'il n'y a pas de point d'eau, j'ai toujours. Et là, du coup, j'avais acheté un petit paquet, c'était sec, du coup, je les ai plus. Dans la petite pochette qui est ici, j'ai ma Memento. Ça, c'est la base de la base. J'ai toujours cette encre-là sur moi. Un spritzer vide au cas où je veux faire un fond. Ou j'ai besoin de faire un fond. Hop. Hop là. Donc ça, c'est ma petite trousse que j'avais gagnée, je crois, lors d'un on-stage, dans mes souvenirs. Elle est bien remplie. Et ça, voilà, elle est dedans. Donc là, il y a mes mousses qui sont devant, mes mousses 3D. Quand on ouvre, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a le scalpel, si j'ai besoin donc d'un cutter. Il y a des stylos, si j'ai besoin d'un stylo. Il y a de la colle en bâton, il y a un crayon de bois. Ça, c'est toujours très utile. Il y a mon outil touche à tout et il y a mon pinceau à réservoir d'eau, important si voilà, on a besoin. J'ai des règles, j'ai des pinces, j'ai du ruban, crayon, colle, plioir, très important le plioir, du double face fort, des recharges de lame de massico, toujours en avoir sur soi, une gomme, règle. La colle chouchoute indispensable, une règle en métal si jamais je dois utiliser avec le scalpel, un bloc acrylique moyen. Bon, ça c'est ce qui va avec mon outil touche à tout, c'est au cas où pour les dies si j'ai besoin. Le nettoyeur de tampons, des strass, des cristals de rein, c'est pareil. Oh là là, je m'en suis mis un sur moi. Très important pour la finition de ces créas. Voilà, je le remets. Donc voilà, ça c'est ma petite trousse fourre-tout. Hop, et je la remets. Hop là, dedans. Après, j'ai un tapis mousse pour les tamponnages. En fait, les tamponnages soient bien faits. Un tapis de découpe. Parce que ce soit chez les copines ou en salle, on va éviter de détruire la table des autres, hein, c'est ce que je préfère aussi chez moi. Mon massico, donc vous avez bien vu, avec des lames de rechange obligatoires, parce que c'est bizarre, c'est toujours quand on arrive chez les copines que les lames, elles rendent l'âme. alors après, j'ai une pochette, vous verrez pas, c'est une pochette 30-30, comme j'ai en fait chez moi. Et dedans, là, je mets que des feuilles blanches, des feuilles basiques, des simples blanches en A4.
Et dans cette pochette, c'est là où je mets, si on a besoin, c'est en fonction de ce qu'on fait, si c'est nous qui ramenons, si c'est l'autre, en fonction de si c'est une crop ou si c'est un atelier entre copines. Je mets mes feuilles design, je mets mes découpes, voilà, je mets en fait le projet qu'on va faire dedans et le matériel qu'il faut pour le projet. Donc j'ai toujours cette pochette 30-30. Là, sinon, il n'y a que du papier A4 blanc, en fait, simple blanc. J'ai une petite... dileuse de bonheur. Une petite trousse où dedans, en fait, c'est des carnets et stylos pour les notes, en fait. Voilà. À l'endroit, c'est mieux. Ça, c'est le petit carnet que j'ai eu de ma marraine. Et ça, c'est un bloc-notes où soit je mets les idées, soit je mets les tailles de ce qu'on est en train de faire. Et le petit stylo, voilà, qui va avec. Ça, je sais que quand j'ouvre, c'est si j'ai des notes à prendre ou si c'est par rapport à Stampin' Up, une réunion de chez Stampin' Up pour prendre des notes. Et je pense que nous avons fait le tour. Je vérifie les dernières pochettes. Donc j'ai encore des pochettes là. Et j'ai encore une grande pochette là. Non. Vous avez vu, il est déjà... Et je l'utilise à chaque fois que je dois sortir. Et là, si je devais le préparer justement pour sortir, enfin d'ici que la vidéo sera sortie, je l'aurais fait le dimanche d'avant ou quelque chose comme ça. On se voit avec les filles. Je voulais vraiment préparer mon sac. Donc voilà, le matériel de base, crayon, règle, colle, double face, mousse 3D, ciseaux, massico, lame de rechange si besoin. Ça va déjà arriver, donc c'est pour ça, c'est un conseil. Tapis de découpe, des pinces, une gomme, des strass, bloc acrylique, pinceau aquarellable, cutter, feuille basique, feuille design si besoin. Plioir, cahier plus stylo pour prendre des notes, l'outil touche à tout, la memento, le chiffon, nettoyeur de tampon, une perforatrice d'angle aussi, je ne l'ai pas mise, mais ouais, ça je viens d'y penser là tout de suite. C'est quelque chose que je prends toujours avec moi parce que j'aime beaucoup faire ça. Et après, en fait, en fonction du projet qu'on fait, si c'est nous qui apportons matériel, je prends bien sûr des encres avec les couleurs que j'ai besoin et des tampons en fonction du thème et du papier que j'aurais pris. Voilà, pour le matériel de base à ne pas oublier lors d'un atelier ou d'une crop ou d'une rencontre de scrap copinette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez rapide hein, parce que le sac est assez rapide. Je l'avais déjà fait, c'était juste vraiment pour vous montrer. Et moi je vous dis à très vite en vidéo. Tchuss.